Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien. Nous ici, ça va très bien. On est contente de vous retrouver dans la rubrique Les filles, j'ai une question. Et la question du jour, c'est les filles, comment recycler ces vêtements de fête? On va répondre à la question de Laurence qui nous a demandé, les filles, comment recycler ses vêtements de fête. Donc merci à toi Laurence de nous avoir posé cette question. Dans cette rubrique, on répond à toutes vos questions, à toutes vos problématiques stylistiques au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire en bas de la vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. On s'est bien amusé pendant les fêtes, donc on a ressorti les sequins, les strass et les paillettes, nos plus belles tenues. Mais c'est pas une raison pour les laisser dormir au fond du placard. Donc nos paillettes, nos sequins, toutes nos tenues bling bling ne sont pas uniquement réservées à Noël et au jour de l'an. Voilà, nous on adore porter des paillettes, on adore porter des strass. On les a intégrés dans nos looks du quotidien. Donc on avait fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet. Donc c'était comment porter des paillettes de jour comme de nuit. Donc ça peut faire un petit complément à cette vidéo là. Donc on vous met le lien ici et si ça vous tente, allez regarder. Notre conseil, si vous voulez porter vos paillettes et vos sequins de jour comme de nuit, c'est d'assumer pleinement ces pièces dites de fête pour pouvoir les intégrer dans vos looks du quotidien. Oui, le mot d'ordre, c'est de jouer avec les matières et les oppositions de style. Il faut atténuer le côté bling bling, le côté festif, en les mixant avec d'autres pièces plus basiques et plus casual. Tu vas pouvoir recycler ta petite jupe à sequins en la mixant par exemple avec un pull en maille. Et pareil pour ton pantalon lamé, tu vas pouvoir le mixer avec un sweat oversize. Donc le pull en maille et le sweat oversize apportent ce côté cosy. Voilà, ce sont des matières qui sont très cocooning, qui décalent bien le style. C'est hyper efficace et c'est super cool. Ta petite robe festive, donc tu vas pouvoir la recycler avec une veste oversize ou bien un manteau oversize, une paire de collants et des baskets. Et là, tout de suite, on n'est plus au jour de l'an, c'est plus nouvel an. Voilà, pour plus de féminité, tu vas pouvoir recycler ta fameuse robe en satin ou ta jupe en satin avec un gros pull en maille, un cardigan et un gilet, et tu vas pouvoir accessoiriser le tout avec une paire de bottines ou de bottes. Ou alors pour un côté encore plus décontracté, tu vas pouvoir mixer ta robe en satin ou ta jupe en satin avec des baskets ou des boots type Doc Martens. En ce moment, c'est hyper tendance. Idem pour les vestes qui brillent. Là encore, rien de bien compliqué. Donc tu vas mixer ta veste qui brille avec des matières comme le jean ou le coton. Donc comme exemple, ta veste avec une simple chemise blanche et un jean, ou alors ta veste avec un t-shirt, un pantalon de jogging et des baskets. Donc là, ce sont vraiment des looks simples et efficaces qui marchent à tous les coups. Côté accessoires, que ce soit sac, chaussures, bijoux ou même ceinture, c'est toujours la même chose. Donc mixez vos accessoires avec des pièces basiques. Plus votre tenue sera casual, plus vos accessoires de fête s'harmoniseront parfaitement avec votre look. Et vous ne serez jamais too much. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Merci à toi Mathilde d'avoir posé cette question. On te fait plein de gros bisous et n'hésitez pas à faire comme elle. Si vous avez des suggestions à nous faire ou des problématiques stylistiques, mettez-les nous dans les commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre. La rubrique Les filles, j'ai une question, c'est votre rubrique. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!